Good morgen, allez, Idan et Sutra aujourd'hui, le Nishmat, Richaron, Ben Fortuné, Mazal, Claude, Israq, Ben Fortuné, Mazal, Dani, Myriam, Batinez, Asayak, René, Avraham, Ben Mordechai. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine vidéo, Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Soka, Père Gimel, Mishnah, Yud Gimel. Yom Tav Rishon Shel Chag, Shechal Yot Beshabbat, Kol Ha'am Molichin Et Lul Ve'en Le Bet HaKnesset. Ne Machorat, Mashkimin Umbayin, Kol Echad Ve'echad Makir Et Shelo Ve'not Lo. Je commence à traduire directement. Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de Sukkot. Donc, si vous vous rappelez de la Mishnah précédente, le premier jour de Sukkot, c'est là où on a la mitzvah Minatora Bamedina, de partout, à l'extérieur du Bet HaMikdash. Bet HaMikdash, je rappelle. Bet HaMikdash, on avait la mitzvah de faire le lulav pendant 7 jours. En dehors du Beth Amikdash, la mise à l'ulav, c'est que le premier jour uniquement. La Mishnah me dit maintenant, si le premier jour de Sukkot, chaque fois qu'il y a écrit Chag dans la Mishnah, Chag c'est Sukkot. Si c'est Pessah, on appelle Pessah, et si c'est Shavuot, on appelle ça Atzeret. Et la Mishnah me dit, donc le premier jour de Sukkot, Shechal Yod Beshabbat, qui tourne un Shabbat. La Mishnah me dit, Kol Ha'am Modlichin Et Lulveen Le Beth Akneset, tout le peuple, tous les gens, devaient apporter leur Beth Amikdash, leur Lulav, à la Beth Knesset depuis la veille de Shabbat, les Machorat, et le lendemain, quand c'est enfin le jour de Shabbat, le premier jour de Sukkot, eh bien, Mashkimin Ubaïn, ils se lèvent et ils viennent, Kol Echad Ve'Echad Makir Et Shelo, chacun devra reconnaître le sien, Ve'Notlo, et il le prend. Pour quelle raison? Mipene She'amru Chachamim, parce que les Chachamim ont enseigné, En Adam Yetzedor Yede Chovato, Beyom Tov Arishon Shel Chag, un homme ne s'acquitte pas, un homme ne s'acquitte pas, un Adam Yotzei de Chovato ne s'acquitte pas, Biyom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de Yom Tov de Sukkot, Belulavo Shel Chavero, lorsqu'il prend le lulav de son ami. On s'arrête là, on explique un petit peu mieux. Une halakha qui n'est pas en vigueur aujourd'hui, on va expliquer après pourquoi. Mais aujourd'hui, premier jour de Sukkot qui tombe à Shabbat, on ne fait pas le lulav le premier jour. Tant pis, on aura perdu la mise à lulav cette année, comme c'était le cas l'année dernière, en 5781, on avait même eu aussi comme ça Rosh Hashanah, on n'avait pas sonné le chauffard le premier jour, parce que ça tombait pendant Shabbat. Alors, la Mishnah me dit, mais en tout cas, à l'époque de la Mishnah, on va voir exactement c'était qu'à l'époque, à l'époque du Beth Amikdash, en réalité, comme ce qu'on verra ensuite, alors on avait la mitzvah de faire le lulav, même de partout, même, pas que au Beth Amikdash, tout le temps, le premier jour, on le faisait, même à la Beth Knesset. Cependant, tu n'as pas le droit de porter dans la rue, donc tu n'as pas le droit de porter, tu n'as pas le droit de transporter ton lulav. Donc il fallait apporter le lulav depuis avant Shabbat. Comme ça, le lendemain, lorsqu'arrive le premier jour de Sukkot et c'est Shabbat, chacun vient à la Beth Knesset et reconnaît son lulav. Et la Mishnah me dit, tu sais, très important que chacun reconnaisse son lulav, parce que si ce n'est pas le tien, tu ne pourras pas acquitter, tu pourras pas accomplir ta mitzvah avec le lulav qui n'est pas le tien. Parce que la Torah l'insistait sur le kartem lachem bayom rishon. Vous prendrez pour vous, ce vient insister que tu dois être propriétaire de ton lulav pour t'en acquitter, tu ne peux pas l'emprunter. Tu ne peux pas le prêter à ton copain pour qu'il le fasse, tu dois le lui donner nécessairement, le lui donner, avec condition qu'il le lui rende, mais en tout cas, le lui donner, que ça lui appartienne, qu'il devienne lui, le propriétaire attitré au moment où il va prendre le lulav. C'est la règle de base. D'accord? Il faut être propriétaire. Du coup, tu vas poser ton lulav dans un coin, chacun va le poser, et on va le reconnaître, comme ça le lendemain quand il vient, chacun reconnaît le sien. C'est clair? C'est le principe de la Mishnah. Maintenant, on explique un petit peu mieux aussi, parce qu'on a dit que, il reste bien sûr au-dessus de la Mishnah, on verra ensuite. On a dit que, à l'époque du Beth Amikdash, alors on prenait le lulav même dans la première journée de Sukkot, même quand ça tombait à Shabbat, ce qui n'est plus le cas à notre époque. À notre époque, on craint, il y a une crainte, ce qui s'appelle Xera des Rabbins, dans la Gemara, toutes les mitzvot qui tombent à Shabbat, on ne va pas les accomplir. Comme ils les ont annulées, ils ont la force d'annuler la mitzvah de la Torah, de peur que quelqu'un y va transgresser le Shabbat pour... C'est le lulav, il va porter le lulav. C'est Rosh Hashanah, il va porter le chauffard. C'est Purim, il va porter la Megillah. Enfin, on dit, quand ça tombe pendant Shabbat, tu ne fais pas la mitzvah. On préfère que tu ne fasses pas la mitzvah et qu'on s'assure que chacun ne va pas te transporter pendant Shabbat, plutôt qu'on va vous permettre de le faire. Et puis, il va y avoir un juif sur 10 000 qui va se mettre à transporter pendant Shabbat. Réalisez comment c'est important de ne pas te porter pendant Shabbat. Chamim, ils ont annulé la mitzvah de la Torah. Ça, c'est pour le principe. Maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, il y a une règle, qu'au Beth Amikdash, on n'instaurait pas ces chumrot, ces xerot de Rabbanan,
qu'elles n'étaient pas en vigueur au Beth Amikdash. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi? De manière générale, au Beth Amikdash, les gens sont zélés, ne transgressent pas. Et au moment le plus, à l'endroit le plus kadosh, les gens ne font pas des. Ne vont pas négliger la mitzvah du lulav. Donc, au Beth Amikdash, on n'avait pas la crainte que les gens ne vont pas porter le lulav. Donc, au Beth Amikdash, premièrement, on pouvait accomplir la mitzvah du lulav à l'époque du Beth Amikdash. Du coup, Chachamim ont dit, écoute, on va pas dire que au Beth Amikdash tu peux et en dehors tu peux pas. Si au Beth Amikdash on le prend, alors tout aussi, tous les alentours et finalement tout le pays, ils pourront continuer à prendre le premier jour. C'est qu'une fois que ça s'est annulé au Beth Amikdash, Chachamim ont vu la capacité en fait d'instaurer que à partir de maintenant, on prend plus le lulav le premier jour. Mais on prend plus le premier jour, d'accord? On continue. Mip, on en était là. Ush Ariamotachag. Maintenant, les autres jours de fête. Je t'ai appris que tu dois être propriétaire du lulav. Ça, c'est bien pour le premier jour. Tandis que Ushar Yamotachak, Achag, pour les autres jours de la fête, en l'occurrence, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, eh bien, Adam Yedechovato, Belulavo, Shel Chavero, un homme pourra s'acquitter de sa mitzvah en empruntant le lulav de son ami. Puisque les autres jours, alors là, la fin de la Mishnah, c'est vrai qu'il y avait hier qui soulève la problématique. La fin de la Mishnah ne parle plus à l'époque du Beth Amikdash. Vous vous rappelez qu'on avait appris hier que quand a été détruit le Beth Amikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai a instauré qu'on fera la mitzvah du lulav, même Bigvulin de partout. Alors la Mishnah me dit maintenant, sache que dans ce décret d'accomplir la mitzvah du lulav, on a proposé de plus ou moins un lulav plus cachère et tout ça, mais on ne va plus être aussi méticuleux sur plein de petits détails de halakha. Et en l'occurrence, la nécessité d'être propriétaire de son lulav. À partir du deuxième jour de Sukkot, on n'a plus besoin d'être propriétaire du lulav pour s'accomplir la mitzvah. On peut même le faire avec un lulav emprunté. Du coup, si vous voulez, vous pouvez ramasser tous les lulavim de la Beth Knesset et le lendemain, vous les redistribuer sans faire attention que chacun récupère son propre lulav. Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.